Bon les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Pour ma part, j'ai hyper bien dormi. Je suis dégoûtée aujourd'hui. Il fait vraiment, vraiment pas beau sur Dubaï. Il pleut, il y a du vent. Chez Il en ce moment. Mais franchement, j'ai pas envie de sortir. Il fait vraiment, vraiment pas beau. Et foutu. Parce qu'ils ont tellement pas l'habitude qu'il pleuve qu'il n'y a pas de tout à l'égout là. Vous savez, donc l'eau s'évacue hyper mal. Donc c'est pour moi. rester bloquée sur la route ou quoi que ce soit, je préfère d'aller au bord de la plage parce qu'il y a un show de drones au bord de la plage à Jibeir. Mais s'il y a encore ce temps-là, je sors pas. Donc là pour le coup, je pense pas qu'on va y aller parce que là je regarde le temps. Il fait carrément sombre à la maison, tout est ouvert, mais il fait carrément sombre. Donc voilà, après je vais me faire à manger. Je sais pas encore ce que je vais me faire, mais des petits légumes. Je pense que j'ai envie de courgettes avec de l'huile, c'est très 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 bon. Je vous montrerai. Et juste avant, je suis en train de vous faire un petit haul les Sorka. Pour celles qui sont intéressées, je vous donnerai un code promo tout à l'heure. Donc là, je vais vous préparer un beau petit haul des dernières nouveautés que j'ai qui peuvent vous plaire avec un code. Ça, je pense que vous allez kiffer. Pour le coup, vu qu'aujourd'hui je vais pas sortir, je vais essayer de trouver des petites inspies et vous allez m'aider. Qui est en construction, qui est en travaux. Et pour le coup, j'ai besoin de petites inspies pour le salon, pour les chambres. La chambre du bébé, je vous la montrerai. Donc la chambre du bébé, on sait calé, on sait ça va être quoi l'inspiration. Mais pour le coup, pour tout ce qui est salon, chambre. Ça, je sais pas du tout, donc je vais regarder un petit peu sur internet, sur Pinterest, sur ce qu'ils font, sur les couleurs, sur ce qui est un petit peu à la mode, enfin voilà, et vous allez m'aider. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire ça vu le temps, donc je reste à la maison et je vais travailler sur ça aujourd'hui. Regardez le temps, il y a grave du vent, ça devient tout blanc, on voit plus rien au loin. Donc là, clairement, j'ai envie de carottes à la crème. J'ai envie de courgettes. Ouh là, il y a un truc à couler là. Ça va pas du tout. Faut que je le nettoie. Enfin voilà, mais je me dis... Je suis en train d'attendre que la nourriture est cuite. C'est hyper long, carottes. J'ai fait carottes, courgettes. Je vais mettre de la crème. Et je vais faire avec un avocat à côté. Voilà, je vous ai dit que là, je prends des bonnes résolutions. Je mange à ma faim, je mange quand j'en ai envie. Mais j'essaie de manger des trucs quand même assez équilibrés parce que là, j'avoue que début de grossesse, j'ai fait un petit peu de n'importe quoi. Et j'ai besoin un petit peu de vitamines, tout ça. Donc, j'ai fait le plein de légumes et de fruits. Et je vais quand même essayer de faire attention tout en mangeant tant que j'en ai... qui ne sont pas forcément enceintes, pour celles qui ne savent pas cuisiner et manger un truc hyper bon et équilibré. Sinon les filles, juste après je vous donnerai un bête de code promo. Il y a l'alarme incendie qui sonne. C'est un test, je pense. Voilà. Ils font souvent un test dans mon building. L'alarme incendie s'est arrêtée. C'était juste un test. Et je vous disais que après manger, je vous donnerai un bête de code promo pour les bandes Crest. Vous savez les filles, les bandes pour blanchir les dents, il le fait. Et grâce à ça, il a eu un résultat hyper hyper blanc. Il est hyper content, donc du coup il continue. Donc pour celles qui ont testé en anonyme, moi je continue toujours à utiliser le dentifrice parce que le dentifrice pour le coup j'y ai le droit. Donc ça je le fais pas, interdit aux femmes enceintes et qui allaitent et aussi à celles qui ont des facettes puisque le but c'est de blanchir et des facettes, mais on a déjà les dents blanches. Et pour le coup ça moi je continue puisque j'aime trop. Il me permet d'avoir les mailles encore ultra blanches, de soigner mes dents, enfin voilà, ils sont trop bien. Il y a les nouveaux dentifrices Crest en plus, je vais vous en parler après, à base de peroxyde et tout, donc ils font continuer à blanchir les dents. Même pour celles qui font le traitement, moi je conseille toujours, pour le coup, d'utiliser le dentifrice après, comme ça vous continuez à avoir une blancheur. Mais donnez-moi vos avis, je les partage après. C'est trop long et j'ai faim. Au fait, la gamme de shampoings que j'ai utilisée hier, franchement, j'ai les cheveux... J'ai les cheveux hyper, hyper bien, quoi. Franchement, je me suis pas recoiffée depuis hier. Mais mes cheveux, ils sont top. Et moi, je vais le mettre, je vais le poser. Et peut-être que je rincerai mes cheveux demain. Mais cette gamme, elle est ouf.
Franchement, je suis trop contente. Je vais vraiment la tester. Mais j'aime bien. Voilà, elle est complètement ouf. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Encore une fois, voilà, c'est parce qu'on est enceinte, on doit cacher ses formes, on doit cacher son ventre. Moi, je suis, voilà, de base, vous savez, j'aime bien m'habiller assez sexy. Et c'est pas parce que je suis enceinte que je vais me camoufler ou pas prendre soin de moi. Justement, je suis trop beau. Une femme enceinte qui montre son ventre. Après, il y en a qui n'aiment pas. Mais voilà, après, les goûts et les couleurs, c'est propre à soi-même. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va porter un truc large et moi, je vais pas aimer, mais je vais lui dire, c'est n'importe quoi, tu devrais pas mettre un truc large, c'est mieux un truc serré. Enfin, non, enfin voilà. Et que ça soit dans les lieux publics ou chez moi, c'est pareil. J'aimais trop comment je t'ai habillée hier en plus. Voilà, c'est ça. En fait, en France, il y a une mentalité assez bizarre. Et c'est ça qui me dérange. Après, je mets pas tout le monde dans le même lot, mais la mentalité, elle est tellement bizarre, quoi. Laisse la personne à côté de toi faire ce qu'elle veut. Déjà, d'une, j'ai pas 45 ans, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas retenir ça. Si tu le savais pas, j'ai 31 ans. C'est peut-être. Parce qu'en plus, dans ton message, tu dis. Mais vraiment, c'est pas méchant. Mais d'un côté, tu clashes, tu dis que j'ai 45 ans. Donc, tu vois, je trouve ça tellement, tellement bas. Et je me rabaisserai pas à ça. Comme je vous dis, j'ai kiffé ma race, ma tenue. Et là, regardez, je montre encore mon ventre. Et c'est comme ça. Et voilà. Donc, j'ai plus quoi dire tellement que ça me fatigue. Merci, ma chérie. Bah écoute, franchement, je prends pas en compte les commentaires d'autres personnes. J'ai le cœur blanc. Mais sauf que quand je lis vos messages, en fait, je tombe toujours sur des. Enfin, il y a des messages négatifs et je les vois. Et ça me saoule, en fait, de pas répondre, de passer à côté et de répondre qu'au bon. Donc je décide aussi de répondre aux mauvais messages. Pour vous montrer que je suis comme les jeunes qui me suivent. Souvent, les jeunes reçoivent des commentaires négatifs, ça leur peine, se font harceler, reçoivent de la méchanceté gratuite, parce que bon, c'est de la méchanceté gratuite, parce que ça n'a. C'est pas constructif, en fait, tout ce qu'on me dit. Et pour leur dire que c'est pareil et que, en fait, il faut juste emmerder les gens qui pensent pas comme vous, mais qui le disent de façon très, très, très mauvaise. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'arriverai jamais à comprendre la mentalité où quelqu'un va te dire « Ah, c'est moche, je vais te dénigrer à longueur de journée, juste gratuitement. » Parce qu'on peut donner des conseils. Attention, il y a des conseils qui sont bons à prendre parfois. Après, on les prend, on les prend pas, on est libre de faire ce que l'on veut. Mais des conseils qui sont constructifs. D'accord? Donc, quand tu conseilles à quelqu'un, tu es toujours bienveillant, c'est avec de la bienveillance que tu lui dis quoi que ce soit, quelque chose, et tu la conseilles. Mais par contre, critiquer quelqu'un gratuitement, être méchant, enfin voilà, enfin, ça sert à rien. Ça mène à nulle part. Et comme je vous dis, les goûts et les couleurs. Souvent, il y en a qui vont porter des couleurs, il y en a qui préfèrent être en noir, et c'est pas pour autant qu'on va juger ceux qui préfèrent être en noir ou ceux qui préfèrent être habillés avec des couleurs. Enfin, on fait ce qu'on veut. Après, on n'aime pas, on n'aime pas. Voilà, on aime, tant mieux. On n'est pas obligé de dénigrer quelqu'un parce qu'on a sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon de s'habiller. Voilà, et puis en plus de ça. Un habit, comme il y a quelqu'un qui peut être habillé d'une façon très couverte et qui voilà, qui peut être en désaccord avec la façon de s'habiller, c'est-à-dire qui peut être mauvaise, qui peut ne pas se respecter, tout ça. Et puis, t'en as qui peuvent s'habiller de façon sexy, mais sans être vulgaire, qui peut se respecter, qui peut, voilà. Tout simplement, le plus important, c'est de s'aimer, aimer son corps, s'aimer soi, soi-même. Parce que pour moi, je pars du principe où les gens qui critiquent les autres à longueur de journée, c'est qu'ils n'aiment pas leur vie. Ceux qui critiquent sur le corps de quelqu'un, c'est qu'ils n'aiment pas son propre corps. C'est que c'est une personne qui est malheureuse dans sa vie. Et ça me fait plus de peine qu'autre chose. Voilà, parce qu'on mérite tous d'être heureux, en fait. Voilà. Non, mais il n'y a plus de gaz chez moi. Tout à l'heure, il y a eu comme l'alarme incendie. Ça a coupé le gaz. Tu mets. Vas-y, mon dernier mot, les fiches à micro-ondes qui cuit. Quand j'ai la dalle, j'ai la dalle. Là, petit brossage dedans. Ensuite, vous inquiétez pas, je vous donne un col. Je suis en train de vos avis sur Crest. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont dit
Ils n'arrivaient jamais à utiliser mon code. Parce qu'en fait, vous arrivez trop tard. Voilà. Vraiment. J'ai un peu froid. Chez moi. Et en fait, vous arrivez trop tard. Je sais pas combien de fois vous brossez les dents. Trois fois par jour. Alors les dentifrices Luminous, tout ça sur Crest, sur Smile Addict sont de retour. Voilà, c'est vrai que c'était en rupture de stock, donc c'est en rupture de stock. C'est de retour, ils ont fait un réassort. Par contre, comme d'habitude, ça va partir hyper vite. Et moi, je vous conseille au moins le dentifrice. Il y a du peroxyde dedans, du coup, avoir des dents de plus. Arrivez sur le site, les premières servies. Et pour celles qui veulent tester les bandes, sachez que c'est hyper simple. Vous les mettez 30 minutes par jour. Les bandes, en fait, tout simplement, vous les laissez 30 minutes par jour sur le site. Et moi, je vous donne un code promo de moins 50%. Par contre, il est valable que pour les 30 premières commandes. Après, dépasser les 30 premières qui ont commandé, ils passent à moins 20%. C'est pour ça qu'il y en a plein à chaque fois qui me disent « Sarah, ton code, bah, il ne donne pas les moins 50. » Alors, pour vous dire une petite surprise et quelque chose qui me tient à cœur, comme vous savez, des travaux dans une nouvelle maison. Donc là, depuis longtemps, vous savez que je suis addict des parfums d'intérieur. Tout ce qui est bougie, pour les canapés, pour les rideaux. Et vraiment, genre, quand on rentre chez moi, souvent les gens me disent et ça sent hyper, hyper, hyper beau. Et pour moi, c'est hyper important. Donc, ça fait un petit moment que je suis dessus. Donc, ça prend un petit peu de temps, comme je vous le disais. Parce que moi, je suis quelqu'un de très tout roule. Et c'est pour ça que ça met un petit peu de temps. Là, pour vous dire, ça va bientôt être la fin. Il manque toniste et que je pourrais vous en parler dès maintenant et tout lancer dès maintenant, mais non, parce qu'il ne manque plus que un petit shooting photo, jolie photo pour le site internet. Voilà, et c'est en cours. Je vais les faire à Dubaï. Il y a toute une équipe qui organise tout ça autour et ça se fait pas en une semaine. Donc voilà, il ne manque plus que ça pour vous en parler, mais en tout cas j'ai trop hâte. Donc bah, je voulais savoir déjà si vous aimez un petit peu les ambiances d'intérieur, si ça vous plaît, fait quelque chose qui me plaît et qui me ressemble. Et voilà, en tout cas j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler, de pouvoir vous partager tout ça. Et voilà, mais je voulais déjà vous faire un petit teasing et vous dire que parfois vous avez peut-être l'impression que pas grand chose, mais en fait je bosse en silence. Voilà, avec toute une équipe derrière. Oui, pour bien s'affiner. C'est hyper simple. Le matin, il suffit de prendre un shaker. Vraiment un grand choix de repas minceur. Donc regardez le rouge. Et ensuite, le midi, vous êtes libre de manger ce que vous voulez. Donc du coup, salé. Comme là, des petites pâtes. Donc toujours, ça va avec. Et vous avez. Donc voilà, donc ça, c'est les truffle pasta. À chaque fois, c'est avec les pâtes. Donc ça, c'est cool. Vous n'avez rien à faire. Ça se prépare vraiment en 5 minutes. Ce qui est sûr, c'est que ce shake, moi, là, je vais m'en préparer un au chocolat parce que là, j'ai envie de faire de chocolat. Je vous ai dit que j'essayais de faire attention maintenant à mon but. Ce n'est pas perdre du poids, juste bah, de baisser un petit peu les calories, pardon, avec un petit so shape. So shape, c'est quoi? C'est faible en sucre, riche en protéines et ça c'est réduit en matière grasse. Donc ça, c'est... Voilà, et ça va être mon petit goûter. En plus, il y a des petits morceaux de chocolat dedans. Hop, j'ai juste à secouer. Ensuite, je vais me régaler. Voilà, c'est prêt. Je vais le boire en 2-2. En plus, c'est bien frais parce que j'ai mis de l'eau. Et là, je sais que ça va me caler. Je le tiens grave. Bref, pour toutes les filles, moi, ça y est, j'ai fini. Pour toutes les filles qui veulent faire comme moi, petit code promo. Et j'espère que vous kiffez votre journée. Pour ma part, ça a été repos. Hein. Je vous avoue que niveau salon, par exemple, je ne sais pas l'écho de ce que j'ai cosy. Voilà, donc là, je suis partie complètement sur autre chose.
Et voilà, sinon la chambre est en train de bouger. Ça me fait trop plaisir, trop du bien. Et c'est ouf. Je vous avoue que petite frayeur ces derniers temps, parce qu'elle bouge pas beaucoup. Du coup, moi je suis sûre direct de sentir des petits coups et des petits passages au niveau du nombril. Voilà, j'ai le ventre qui tire. Bon, mes chéris, là, je me refais un petit peu une tête si jamais si je me motive à aller boire juste un petit verre pour que, avant que Jimmy parte. Mais tout le monde, vous êtes grave choqués des messages là de la meuf. Et encore, franchement, c'est pas que j'ai plus de messages positifs que négatifs. Mais je me dis, mais il y a des gens comme ça. Alors que, genre, si t'aimes pas quelqu'un, tu commentes pas comme ça toutes les stories de quelqu'un. Enfin, je sais pas, moi. Je vais atterrir sur quelqu'un que je connais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, je me dis, c'est quelqu'un que je connais. Enfin, connais, vous voyez. Il y en a, des fois, vous les connaissez sans trop les connaître. Ils te connaissent pas et ils se permettent de te juger sans te connaître. Ça, je vais lui faire du mal. Voilà. Alors que, franchement, je m'en carre l'oignon. Mais c'est juste que je voulais trop vous montrer. Genre, ça fait... Je vous dis, je tombe... Vu que je lis vos messages... Je me dis, mais la meuf est folle, c'est même aussi. C'est psychopathe. Genre vraiment, à ce niveau-là, là, c'est être psy, là. C'est être psychopathe. Trop folle. Voilà, j'ai l'impression. Et des fois, je me dis, je vous assure, il y a des gens qui font peur. À chaque snap que je poste, on est en train de dire, ouais. Enfin, pas vous, mais ceux qui font ça, vous êtes des grands malades. Je pense qu'il y a des gens sensés et normal. Le game, parce que là, vous êtes des ouf. Je suis en sûre que je la croise dans la rue, elle viendrait se demander un selfie avec moi. C'est sûr, des fois, c'est ce que je me dis. Bah, elle est folle. Bref. Et d'habitude, vous savez, hein, je suis grave, je cache les noms. Je cache les noms, même des gens qui insultent et tout. Parce que je me dis, ces gens-là, ils ont une famille et ça serait être au courant qu'ils insultent comme ça gratuitement les gens. Mais alors, elle, sans pitié, elle n'a pas de pitié, elle. Tous les jours, mais je vous dis tous les jours. Là, vous allez voir. Oui, tous les jours, c'est un truc. Chaque seconde, chaque fois que je m'installe, c'est pas sur la façon de m'habiller, c'est sur ce que je mange. Pour ma mère, non, mais à un moment donné, faut. C'est comme fille. J'étais déjà un petit peu, je m'en foutiste, vous voyez. Genre, moi, je m'en fous de tout. Donc j'étais déjà un petit peu je m'en foutiste, mais alors là depuis des années, avec les années je suis devenue encore plus je m'en foutiste, plus je grandis, plus j'en ai rien à faire. Ils me suivent, les gens qui m'aiment au quotidien, les gens qui envoient des beaux messages, les gens avec qui je parle. Voilà, on se connaît pas forcément, mais il y en a plein, on discute, on se raconte nos vies et tout. Vous êtes là pour moi, dès que je pose une question, vous êtes là. Genre un peu comme ça, je vous dis la vérité. En tout cas, je l'intéresse, hein, qu'elle regarde tout. Qu'elle critique. Et dès que tu postes un truc, elle regarde. Donc, c'est qu'elle kiffe. En vrai, je sais pas, moi. Hein, et quelqu'un que j'aime pas, et je regarde même pas ses stories. Bref. Voilà, c'était une petite aparté. Et là, je suis en train de me préparer, parce que je me dis, je vais dire au revoir à Jimmy, le pauvre. Il s'en va. Et genre, je me dis, bon, j'ai un peu la flemme. Il fait froid. Mais bon, encore. Je reste pas longtemps, de toute façon, il reste pas longtemps parce que son avion il est intéressant. Je fais n'importe quoi. Mais voilà, au moins, hyper froid. En plus, j'allais aller mettre mon masque sur les cheveux. Mais bon. Aujourd'hui, j'ai la tête, ça va pas du tout. Je vous disais, je voulais me faire un. J'ai enlevé ce pull. Je vais mettre un ensemble legging. Je voulais enlever ce. De la gamme, de la nouvelle gamme de shampoings que j'utilise. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce qu'elle a vu que je sors vite fait. Je l'ai fait en rond. Il faudrait que vous me fassiez penser, s'il vous plaît, quand je vais faire les boutiques et tout. Peut-être demain, je passerai vite fait. Ce chouchou-là, ça craint. Il faut absolument que je m'en achète. Je vais faire les boutiques. Moi, je suis tête en l'air.
pensé, dites-moi, d'acheter. Voilà. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais me changer et... Donc là, on est sur un premier ensemble. Trop sympa, hyper sexy les filles. Donc, ils cachent ce qu'il faut. Et c'est transparent, vous voyez, à ce niveau. Et aussi, regardez au niveau du pantalon. Donc là, on trouve de la transparence aussi. Mais pas au niveau... Ça doit cacher. Je le trouve trop, trop beau. Moi, personnellement, il me prend bien le ventre. Bon, malheureusement, j'ai pas la chance de pouvoir fermer ce pantalon, mais je trouve ce look hip envie de l'avoir. Bon, ça motivera après la grossesse à retrouver ma ligne. Un pantalon comme ça, ça fait un outfit hyper sympa, je trouve. Et pour les filles qui sont pas enceintes, bah, regardez ce magnifique pince. Il est juste trop, trop beau. Et voilà. Juste... En fait, comme je vous dis, mes jambes font du S, sauf que bah, à ce niveau-là, je ne peux plus... qui est juste trop beau, je vous en parle juste après. Et sinon, donc, je vous parle de ce gilet qui est trop beau, j'aime trop la couleur, j'ai kiffé, donc vous pouvez mettre un petit top en dessous, ou alors ne rien mettre, les filles, comme ça, trop trop beau. Référence du gilet également. Il y a un bouton pression, vous pouvez le fermer, et voilà, mais j'aime beaucoup, il fait très classe. Ah non, je vous mets la petite ref. Alors là, on est sur un autre style, mais hyper, hyper canon. Trop beau, donc il se met avec tout. J'aime trop. Hop, regardez, ça se met vraiment avec tout, avec un haut court, beau. Et j'ai mis ça avec un petit pull comme ceci. Donc ce petit pull, il est juste canon. Regardez, il est ouvert sur les côtés. Voilà, il est... imaginez ça avec des belles bottes, même à talons ou plates, je trouve ça canon. J'aime trop. La matière en plus du pull, elle est vraiment agréable. La couleur, enfin tout, j'aime beaucoup. Ensuite, petit trench. Alors ça, ça sert toujours les trench, les filles. Voilà, donc regardez comment il est trop bien. Vous pouvez le fermer, les canons, ça fait classe. Ensuite, j'ai pris cet ensemble-là, donc hyper classe. Moi, vous savez, les ensembles qui prennent bien mon ventre comme ça et qui sont hyper beaux, que je peux mettre avec tout, avec des bottes, avec des baskets. Moi, je suis fan. Regardez les motifs. Donc avec plein de petits carreaux et je le trouve trop beau cet ensemble, voilà. Et les filles qui se posent des questions, c'est vachement stretch, donc ça s'adapte au corps. Et on finit par cet ensemble qui est trop beau, donc camel. Moi j'ai mis le pull à l'intérieur, vous pouvez mettre ça avec des bottes les filles, c'est hyper classe. C'est hyper chaud et ça nous permet de rester sexy et féminine, même quand il fait froid. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup cet ensemble. Donc, c'est les pré-soldes chez les Sercas. Ils ont décidé de 10%. C'est énorme. Ensuite, ils passent à moins 10%. Sachez aussi que chez les Sercas, ce qui est cool, c'est que vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et profitez de mon code. Donc, bah, bonne chance. Les 100 premières commandes. Bon, regardez, je me suis vraiment habillée à l'arrache. Pour aller dire au revoir à Jimmy. Dernière chicha de Dubaï. Je me suis quand même levée de mon canapé. T'as affronté la pluie, mais bon, tout le monde t'a fait des compliments. Pourquoi on a dit pour rien. Elle est bien. T'as mis du parapluie quand même, peut-être, non ? Pourtant, il pleut, tu t'en mets pas. Non, je suis toujours. Toujours plus. Bon, ça y est, on est venu que une heure. Jimmy, il va partir et il a... Ça y est, Dubaï. Bon, ça... Il pleut jamais à Dubaï. Le gars repart plus blanc que quand il est venu. Vraiment. Voilà. Donc ça y est, les filles. Après, moi j'ai mes amis. Il y avait des amis à nous qui étaient là. Je vais me poser devant ma petite série. Et je vais m'endormir quand même. Et voilà. En tout cas, vous, j'espère que votre soirée se passe bien. Ouais, vraiment, genre, je suis trop épuisée. Je pense que c'est le fait aussi de rien. Ça fait 2 jours que je fais rien. Et du coup, ça me fatigue plus. Et aussi, les médicaments, là, vous savez, les compléments pour la grossesse, pour les hémoglobines, j'ai l'impression que ça me... Je vous disais, j'aime pas du tout les effets indésirables que ça me provoque. Je sais pas vous, si vous avez mal au ventre. Vous voyez, c'est que ça me fait comme des bleus et tout au ventre. Ça me saoule. Fatiguée que quand je prenais rien. Mais bon, je suis obligée de les prendre, apparemment. Vous, avec ma gynéco ici... mon rendez-vous il est fin du mois, donc
je vais pas attendre fin du mois, mais je vais vite reprendre. Si je vais pas faire. Dites-moi les effets indésirables que vous avez. Et sinon, les filles, la folle là, vous voyez, elle continue à commenter mes nouvelles stories en m'insultant, tout ça. Et en fait, j'ai cliqué dessus et c'était le même emoji que la meuf en question là qui arrêtait pas de m'insulter que je vous ai mis tout à l'heure. Et en fait, elle a changé de nom. Mais c'était le même snap et je l'ai bloqué. Je me suis dit, elle est complètement barge. Elle continue à commenter mes stories, plaisir à commenter les stories. Dans la tête, je me suis dit, elle est vraiment barge. Ça fait limite peur. Les filles, je déteste les cheveux attachés par là. Mais je vais faire une série du pourquoi. Il y a plein qui ne savent pas pourquoi je m'attache quand je rentre, pendant que je pose mon petit masque. C'est parti. Après, j'allais me démaquiller juste avant. Je mets ce que je vous ai dit. Trop stylé. C'est épointe. Laissez poser, il y a marqué minimum 30 minutes. Faire sur cheveux secs. Et j'aime pas dormir avec les cheveux mouillés. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Que j'ai développé étant petite. Là, je parle aux petits jeunes qui me regardent, qui sont à l'école. Moi petite j'avais des grandes oreilles parce que j'avais un cartilage trop grand et du coup tous les enfants se moquent. Je ne veux plus m'attacher les cheveux. Ben, mes oreilles ça va, ils sont et on se rend compte que ça peut créer des vrais complexes et j'étais toute jeune quand et ça m'a, c'est pour ça que vous ne voyez jamais les cheveux attachés. Voilà, alors que franchement, des fois j'aimerais faire des pêches et les queues de cheval. Enfin, c'est un truc qui m'a marqué à vie. Donc voilà. Comme ça, on voit pas mes oreilles. Voilà. Par contre, là je reviens sur le masque. C'est. Je sais pas comment vous dire quand on prend dans la main. C'est lui. Voilà, j'aime trop. Donc je vais pas. Voilà, et je rincerai demain. Celui-là, c'est Coco. Il y en a un max. Voilà. Et comme je vous ai dit, il y a marqué laisser agir. Voilà.